Alors, Parfait. bah merci beaucoup d'être venu, même si ça n'est que virtuellement. Merci d'être là et de me donner la possibilité de partager mes idées. Il y a 2 ans, en fait, j'avais présenté pour l'essentiel le deuxième chapitre de ce bouquin qui venait de sortir, autour de la question de la possibilité d'une croissance verte, en fait. C'est ça que j'avais mis au cœur de mon travail, et donc pour faire la critique de la possibilité d'une croissance verte. L'an dernier, j'avais plutôt abordé une autre partie de cet ouvrage en m'intéressant à ce qu'on appelle la critique de la technique, donc en allant vraiment sur votre terrain, si j'ose dire, donc en prenant le risque là de développer une critique de la technique d'un point de vue non technicien et non scientifique, plutôt d'un point de vue philosophique. Et cette année, bah, je voudrais en fait compléter ce que j'avais fait en proposant un peu les grandes lignes de ce que pourrait être une politique de décroissance. Quand on parle de décroissance, au départ, la décroissance, c'est surtout un mouvement de pensée très critique de notre monde. Mais avec les années, on a fini par développer aussi une réflexion sur, au-delà de la critique, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on a comme programme, en fait, à suggérer et à lancer dans l'espace public. Alors, c'est un peu c'est les bases de ce programme que je voudrais présenter. Bon, évidemment, ça m'amènera à faire des liens avec le reste de mon bouquin. Donc voilà. Alors, ça m'oblige quand même à commencer par rappeler ce que c'est que l'idée de décroissance. J'ai mis à chaque page, j'ai mis en général la couverture d'un ouvrage qui me paraît être un ouvrage intéressant, pertinent pour aller plus loin sur la thématique de chaque page. Donc là, j'ai mis la couverture d'un petit livre de Serge Latouche, qui en France est considéré comme un peu le pape de la décroissance. C'est celui qui a lancé un peu cette idée dans l'espace public. Et il l'a fait d'ailleurs il y a tout juste 20 ans, en fait. On fête ces jours-ci l'apparition dans l'espace public de la notion de décroissance soutenable. Vraiment, elle est arrivée en février 2002. Et c'est arrivé au départ donc comme un slogan provocateur. Donc avec le souci plutôt de lancer une discussion, de lancer un débat. Comme disait un autre promoteur de la décroissance, c'est un mot obus, donc un mot obus qu'on lance dans la conversation pour faire exploser un certain nombre d'évidences, et notamment l'évidence selon laquelle, pour vivre bien, il nous faudrait de la croissance économique. Mais à l'époque, pourquoi on balance ce mot un peu agressif dans le débat public? C'est surtout pour contester en fait l'idée d'un développement durable, hein. On est 15 ans après l'apparition du rapport Brundtland et bon, tout montre qu'il ne se passe absolument rien de positif sur le plan écologique, alors qu'on parle de développement durable depuis 15 ans partout dans le monde. Tous les indicateurs sont de plus en plus rouges, donc il y a une espèce de ras-le-bol en disant ça suffit, cette histoire de développement durable, ça ne marche pas, il faut passer à autre chose. Donc la revendication de base qui est au fondement de cette idée de décroissance, c'est un appel politique à rompre volontairement, le volontaire est essentiel ici, avec la course à la croissance économique. Bon, et j'ai mis économique en rouge parce que c'est pas toute croissance qu'on vient contester, c'est bien quelque chose de bien précis qu'on appelle la croissance économique et qu'on mesure par notamment notre fameux produit intérieur brut, hein, qui est l'indicateur phare de cette croissance économique. C'est ça qu'on met en question. Certains de nos critiques disent oui, non, il y a des bonnes croissances, la croissance de l'amour, c'est bien, je suis pour la croissance de l'amour aussi. C'est la croissance économique que nous venons contester. Alors, une fois rappelé ça, pourquoi contester cette course à la croissance qui est aujourd'hui mondialisée, hein? Il n'y a aucun pays, et là il faut insister, y compris les pays dits socialistes, ou ceux qu'il en reste aujourd'hui, sont des pays croissancistes, hein? En fait, à l'échelle de la planète, toutes les sociétés ont adopté des modes de production productivistes, hein? Donc toutes ces sociétés visent une forme de croissance économique. Alors, elles n'ont pas forcément les mêmes manières de la viser, cette croissance, elles n'ont pas forcément la même manière de distribuer les fruits de cette croissance, mais toutes sont orientées dans cette direction-là. Donc, d'une certaine façon, prôner la décroissance, c'est finalement critiquer aussi bien la gauche que la droite, hein, sur ce terrain-là, il faut être clair.
Alors pourquoi la critiquer? Pour essentiellement trois grandes raisons, si on les résume, ça fait partie ce que je raconte dans mon bouquin, qui est une tentative de synthèse un peu de tout ce qui s'est dit sur la décroissance. Essentiellement, la première critique, c'est que cette course à la croissance, elle est très destructrice sur le plan écologique, ce qui est le plus évident, ce à quoi on pense immédiatement. Mais on peut aussi montrer que, au-delà de son caractère destructeur, cette croissance, elle est aussi foncièrement injuste. Alors, je ne vais pas revenir sur ce débat-là, on pourra en discuter après. Mais je dirais que de la même façon qu'il n'existe pas de croissance verte, il n'existe pas de croissance juste, en fait. Que c'est une dynamique, un processus qui repose sur des rapports d'exploitation qui permettent de dire que on a affaire à quelque chose de tout à fait injuste au regard de nos idéaux à nous, hein, de liberté et d'égalité. Et puis, on peut aussi reprocher à cette croissance d'être aliénante. Alors, ça, c'est un mot un peu plus philosophique, par lequel on veut dire que finalement, se produit avec le temps, ou s'est produit avec le temps, une inversion entre les fins et les moyens. La croissance, normalement, c'est un moyen pour nous, humains, de vivre mieux, en fait, hein. Mais la fin, ça devrait être notre bonheur individuel et collectif. Et la croissance ne devrait être qu'un moyen. En fait, on se rend compte, et on le vit, et puis, y compris dans les pays riches, hein, on se rend compte que plus ça va, plus nous devenons nous-mêmes les moyens de cette croissance, hein, qui n'a pas d'autre finalité qu'elle-même. Hein, c'est elle qui devient la fin, et nous devenons les moyens, plus ou moins épuisés. Hein, ça se traduit notamment par les fameuses épidémies de burn-out, là, qui sévissent dans nos pays, qui sont un des indicateurs, hein, de ce renversement des fins et des moyens. Voilà les trois grandes critiques. L'objectif, c'est évidemment pas de décroître à l'infini. Hein. Ça serait tout aussi ridicule que la croissance à l'infini. Hein. Donc, il ne s'agit pas de renverser l'objectif. Il s'agit de sortir d'une certaine trajectoire, hein, civilisationnelle aujourd'hui, pour essayer de commencer à bâtir des sociétés post-croissance, hein, donc des sociétés qui seraient libérées de cet impératif de croissance et qui seraient donc autant que faire se peut plus soutenable sur le plan écologique, plus juste sur le plan social et plus émancipatrice sur le plan politique. J'y reviendrai tout à l'heure abordant la partie programmatique de la décroissance. Si on réfléchit à ce qu'il faudrait faire à partir d'aujourd'hui pour aller dans cette direction de société post-croissance, plus soutenable, plus juste, plus émancipatrice, en fait, je crois qu'on peut résumer ce qui se dit aujourd'hui au nom de la décroissance autour de trois propositions très, très simples et formulées volontairement de manière très simple. Il faudrait travailler à produire moins, partager plus et à décider ensemble. Voilà les trois propositions qu'il faut essayer de combiner autant que possible. Alors c'est ça que je vais essentiellement présenter et argumenter dans les minutes qui suivent. Alors, produire moins. Là, comme illustration, j'ai mis un des meilleurs textes de ces dernières années. Il est paru en 2019. Je l'avais peut-être évoqué il y a 2 ans. Un des meilleurs rapports qui a été produit sur la question du découplage. C'est-à-dire, le découplage, c'est le terme technique qui s'est imposé dans les débats ces dernières années pour désigner la possibilité d'une dissociation entre la croissance économique et son impact sur le plan écologique. Donc ce qu'on viserait idéalement, actuellement, ce serait ce découplage, être capable de croître sur le plan économique sans dégrader la situation sur le plan écologique dans sa globalité. Et alors il y a beaucoup de travaux qui sont sortis depuis 2 ans là-dessus, et notamment celui-là qui fait un tour d'horizon de toutes les études qui ont été produites sur cette question pour arriver à la conclusion que nous n'y arrivons pas du tout. En tout cas que jusqu'ici, nous n'y sommes jamais parvenus à ce découplage. Et c'est le point de départ de ma proposition. Si on veut arrêter le désastre écologique en cours, sur lequel je ne reviendrai pas, il suffit d'ouvrir le journal chaque matin, il y en a des indicateurs chaque matin. Il ne s'agit pas seulement donc de produire mieux, comme nous proposent les partisans d'un développement durable ou d'une économie circulaire ou d'un Green New Deal. Oui, il faut produire mieux, mais pas seulement. Toutes les stratégies qui visent à générer une croissance verte, une croissance propre, expression qui circule beaucoup là dans l'espace public aussi, butent sur trois grands types de limites que j'avais évoquées justement il y a 2 ans longuement, là, que je reprends dans le deuxième chapitre de mon bouquin, qui sont des limites alors, qui sont pour une part biophysiques, qui touchent aux caractéristiques même
de notre milieu de vie, de cette planète que nous habitons, mais qui sont aussi des limites économiques, là, qui concernent la dynamique économique dans laquelle on sommes pris, qui se retournent bien souvent contre nous, et puis aussi des limites politiques. Alors, je ne reviens pas là-dessus, c'était l'objet de ma conférence il y a 2 ans, puis on pourra en discuter, je pourrais donner des exemples, mais on pourrait évoquer quand même en passant un petit peu pour sourire, par exemple, puisque je parle à des scientifiques, des vrais scientifiques, parler d'une économie circulaire, par exemple, c'est déjà une fausseté, en fait. Une économie ne peut pas être circulaire si on a compris l'idée de la thermodynamique. Donc c'est quoi? C'est la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie. Enfin, donc on ne recyclera jamais tout, et notamment l'énergie ne se recycle pas, si j'ai bien compris. Donc là, il y a déjà une espèce de mensonge dans les termes qu'il faut questionner. Et clairement, cette entropie représente une limite biophysique essentielle, je crois, par rapport au projet d'une croissance illimitée. Alors ça amène à dire, de façon là aussi un peu provocatrice, entre croître ou durer, il va falloir choisir. Il faut choisir. Bon, et pour l'instant, très clairement, on a fait le choix de continuer à croître, hein, au risque de ne pas durer très longtemps. Donc si, par contre, on fait le choix de vouloir durer, mais c'est un choix politique à faire, si on veut durer, il va falloir respecter les limites biophysiques planétaires. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'on produise beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et il faut qu'on fixe des limites à ce que nous produirons dans l'avenir. Ça devrait être le point de départ d'une politique de décroissance, qu'elle soit pensée à n'importe quelle échelle. Alors, il y a une bonne nouvelle par rapport à ce projet-là. C'est qu'on dispose là aussi de quantités d'informations et de données scientifiques qui nous montre qu'on a tout à fait les moyens de garantir à tous les humains aujourd'hui un niveau de vie très décent, dans le respect de ces limites biophysiques planétaires. Alors, j'avais écouté cet automne une conférence que vous avez peut-être entendue, qui était donnée par Julia Steinberger, à l'Institut Trottier, je crois, sur une conférence qu'elle donnait sur son projet Lily, qui est un projet qui est justement orienté vers cette recherche-là d'un ajustement entre besoins humains et puis ressources planétaires. Donc, bon, ces travaux sont assez convaincant là, sur cette question. Nous avons toute la marge nécessaire pour satisfaire nos besoins dans le respect des limites planétaires. Donc voilà pour la première proposition. Deuxième proposition, donc partager plus. Là, j'ai mis, moi je vais l'expliquer après, l'illustration d'un bouquin qui est vraiment un incontournable sur cette question aujourd'hui. Donc si on part du principe que on veut durer et qu'on veut donc respecter les limites biophysiques planétaires, et donc on va se donner des limites à la production, donc à la consommation, il va falloir dans le même mouvement partager plus nos moyens d'existence, hein, inévitablement. Parce qu'on est dans des sociétés qui sont très inégalitaires. Donc si on produit moins, on va consommer moins, et on va très probablement imposer à ceux qui ont déjà très peu de consommer encore moins. Bon, et alors d'un point de vue moral, compte tenu de nos principes, c'est indéfendable. Et puis d'un point de vue politique, c'est complètement suicidaire, en fait, hein. Ça nous amène à des situations du type gilet jaune qui risquent de se développer à l'avenir si on reste dans ces approches de la question écologique. Qui passe par finalement l'imposition de restrictions qui, en général, vont tomber sur les épaules des plus démunis, des plus pauvres, des plus faibles politiquement dans nos sociétés. Ça risque de provoquer des chaos de plus en plus dramatiques. Donc, si on veut éviter ça, il faut donc, en même temps qu'on se fixe des limites, il va falloir partager plus nos moyens d'existence. Donc, à la fois donc, par souci de respect avec l'idéal d'égalité qui est censé fonder nos société, mais aussi par simple pragmatisme politique. Alors, donc cette idée de partage a une connotation assez positive, sympathique, ou peut-être peut paraître même trop chrétienne, mais si on l'assume jusqu'au bout, bon, elle a des implications qui vont faire grincer des dents de certains, on voit bien de qui, des plus puissants dans nos sociétés, puisque ça implique inévitablement en fait de limiter la propriété telle qu'on la connaît, hein, de mettre des limites à la propriété, qu'elle soit d'ailleurs propriété privée ou qu'elle soit propriété étatique, hein, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Et ça suppose aussi de repenser les rapports sociaux fondamentaux
société, à commencer par le rapport salarial, hein, qu'on peut continuer à considérer aujourd'hui, c'est tout un travail plus sociologique, mais comme un rapport d'exploitation, hein, un rapport salarial. Tout le monde que même si ça n'a plus la violence que ça pouvait avoir au 19e siècle, quand Marx a fait sa critique du capitalisme, on reste dans un rapport de subordination, on reste dans un rapport d'exploitation. Et si on veut partager plus, ça suppose en fait de reconsidérer ce rapport. Mais c'est aussi le rapport entre les hommes et les femmes, hein, l'exploitation du travail des femmes par les hommes. Surtout, je parle du travail dit de reproduction, qui est beaucoup le travail le fait de mettre au monde des humains, de les élever, etc. Et tout le travail domestique, qui est un travail tout à fait essentiel. Il n'y a aucune société qui est possible sans ce travail-là. C'est un travail qui reste non payé ou sous-payé dans nos sociétés. Donc là, il y a un débalancement aussi, une inégalité qu'il faut reconsidérer. Et puis, même si nous sommes officiellement sortis de rapports coloniaux, nous sommes en fait engagés encore dans des rapports néocoloniaux avec les pays du Sud. Le Sud, tel qu'en parlent nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire le Sud global, en fait. Hein. Au Québec, nous avons aussi un Sud qui est plutôt au nord. C'est les Premières Nations, c'est les Inuits. Mais c'est aussi bien des pays où notre industrie extractive va chercher des ressources précieuses qu'elle ramène pour les transformer ou les faire transformer ailleurs dans le monde et produire des marchandises. Bon, donc là, il y a aussi des rapports enfin, néocoloniaux qu'il va falloir reconsidérer. Là encore, il y a une autre bonne nouvelle qui vient avec cette exigence de partage, c'est que, au moins pour ce qui concerne nos sociétés, donc les sociétés les plus riches aujourd'hui, les sociétés occidentales, ce qu'on constate là de façon là aussi tout à fait rigoureuse, c'est que la réduction des inégalités en fait au sein de nos sociétés est un facteur d'amélioration du bien-être bien plus décisif que la hausse du PIB par habitant. Et c'est intéressant parce qu'on peut même aller chercher chez nos collègues économistes, qui sont en général presque tous des croissancistes. Hein. La théorie économique standard, dominante aujourd'hui, elle est orientée vers cet impératif de croissance. Donc c'est une espèce d'évidence que partagent mes collègues en économie pour la plupart d'entre eux. Mais bah, Esterline est un économiste qui, dès les années, alors c'est dans les années 70, met en évidence le fait que, pour ce qui était des États-Unis, je crois que c'est là où il fait ses premiers constats, il constate qu'aux États-Unis, en fait, on a passé un certain niveau de PIB à partir duquel il n'y a plus de corrélation entre PIB et indicateurs de bien-être. Donc, alors lui, à l'époque, c'était l'indicateur qui l'intéressait, c'était le sentiment de bien-être. Donc, il voyait qu'on pouvait continuer à faire augmenter ce PIB par habitant sans faire augmenter le sentiment de bien-être. Mais depuis, on a mesuré aussi cette relation, on a évalué cette relation sur d'autres indicateurs, notamment l'espérance de vie. Hein. Ça, c'est très facile, c'est très intéressant, puisque l'espérance de vie, c'est quand même c'est l'indicateur un peu dont nous sommes les plus fiers dans notre civilisation. Enfin, nous sommes la civilisation qui a permis au plus grand nombre d'individus de vivre le plus longtemps possible. Et on se rend compte que, en fait, passer un certain niveau de PIB, que nous avons passé partout en Occident, ça n'a plus d'incidence sur l'élévation de l'espérance de vie, ou sur sa baisse d'ailleurs, en fait. Donc ça n'est plus corrélé, en fait. Donc on a des pays aujourd'hui qui rentrent tous dans la catégorie des pays relativement riches, mais avec des écarts de PIB par habitant très importants, et pourtant avec des niveaux d'espérance de vie qui sont équivalents. Donc pas de. Pas d'effet PIB. Alors là, donc produire moins, si on veut pas faire exploser finalement socialement nos sociétés, il va falloir dans le même mouvement partager beaucoup plus nos moyens d'existence. Et par ailleurs, donc il va falloir aussi en décider ensemble. C'est pour fixer des limites à ce qui est produit et partager nos moyens de vivre, il va falloir donc en décider ensemble. Là, au nom d'un autre idéal qui est censé être fondamentale dans notre société, qui est l'idéal de liberté, la possibilité pour chacun de prendre part à la décision politique, à l'organisation de nos sociétés, mais là aussi par pragmatisme, en fait, hein, dans une large mesure. Pourquoi par pragmatisme? Le choix démocratique n'est pas idiot, hein, pas seulement par principe. Choisir la démocratie, c'est augmenter les chances que la décision soit respectée et mise en œuvre, hein.
c'est une décision qui est le fruit d'un débat démocratique, une décision démocratique, on augmente les chances qu'elle soit appliquée, mise en œuvre. Choisir la démocratie sur ces questions-là, et notamment sur la question des limites, ça peut aussi augmenter nos chances de prendre une décision plus éclairée. On va aller chercher tous les avis, tous les points de vue. Et donc, on va éclairer peut-être nos angles morts, nos points aveugles, grâce à la discussion démocratique. Donc, on peut prendre de meilleures décisions, peut-être aussi plus longues à prendre, mais peut-être plus éclairées. Et puis, le débat démocratique, il a aussi une autre vertu essentielle, c'est que ça permet de faire évoluer les points de vue, en fait. C'est très intéressant de regarder ce qui a pu être tenté ces dernières années. On a tenté plusieurs dispositifs de conférences citoyennes. On a demandé à des citoyens tirés au sort de se prononcer sur des grandes questions politiques. Et ça donne des résultats extrêmement encourageants, là, sur ce terrain-là. Et ça montre notamment qu'un vrai débat bien conçu peut faire évoluer les gens de façon très, très intéressante. Parce qu'évidemment, une des premières objections qu'on pourrait faire à la décroissance, c'est de dire, mais si démocratiquement, les gens choisissent la croissance, qu'est-ce que vous faites? Effectivement, là, il faudrait se soumettre à la volonté du peuple. Ce que je mettrais de l'avant, c'est justement déjà la possibilité de créer un vrai débat démocratique là-dessus, qui pour l'instant est inexistant. Il n'y a aucun débat. Alors voilà, ben vous m'offrez la possibilité d'en parler. Là, on est une trentaine, bon, c'est bien, mais il faut amener ça dans l'espace public, et on en est encore très très loin, en fait. Et on verra le jour où ce débat-là sera vraiment mis en œuvre, mis en place et sera mené de façon rigoureuse. Je suis assez convaincu que je ne pense pas que les humains choisiront de poursuivre la croissance. Mais ça, c'est un pronostic. Alors, cela dit, de quelle liberté je parle? Et ça, c'est important, puisque je pense que ça concerne en particulier le monde de l'ingénierie. Je vous mets tous dans le même sac, je sais qu'il y a des très grosses différences entre vous, mais vu de mon point de vue, je vous mets quand même dans un ensemble qui est différent du mien. De quelle liberté on parle? Alors, c'est pas la liberté qui consiste à faire ce qui nous plaît, qui est ce qu'on appellerait la liberté libérale, c'est d'étendre l'espace dans lequel je peux faire ce que je veux, en gros. Un philosophe français qui vient de sortir un livre passionnant, qui s'appelle Aurélien Berland, le philosophe Berland, Berland. Son livre s'appelle Terre et Liberté, il n'est pas encore disponible au Québec, mais ça ne devrait pas tarder, parle de la liberté délivrance. J'essaie de me délivrer des contraintes qui pèsent sur moi. Alors, à la fois des contraintes biophysiques, mais aussi des contraintes sociales, en fait. Et je dirais que notre monde s'est beaucoup caractérisé par le fait de nous offrir, notamment via la technique, via le travail de quantité d'ingénieurs, beaucoup de délivrance, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de délivrance. Bon. Donc beaucoup de ce qu'on appelait aussi la liberté négative, c'est-à-dire le fait d'étendre cet espace dans lequel on peut faire ce qu'on veut. Alors, la liberté que je mets de l'avant, que nous mettons de l'avant, c'est pas celle-là. Au contraire, celle-là, elle nous paraît très problématique, en fait. Celle que nous valorisons, c'est celle qui consiste à pouvoir décider collectivement des lois auxquelles nous voulons nous soumettre, en fait. Et qui serait plutôt la liberté comme autonomie, donc au sens étymologique du terme, se donner à soi-même des normes. On part du principe qu'il est impossible de faire ce qu'on veut tout le temps, que nous allons devoir respecter des lois, des normes, mais ce que nous voulons, c'est que ces lois et ces normes, c'est nous qui en décidions, et que ce ne soit pas quelque chose qui nous échappe complètement. Alors, ce qui veut dire que si on veut donc décider ensemble, si on veut donc conquérir notre autonomie, ça suppose deux choses. La première chose, c'est un travail pour démocratiser de manière aussi radicale que possible nos institutions politiques et économiques, fondamentalement. Aller dans le sens d'une démocratisation de ce que nous connaissons déjà. On peut faire une critique de nos institutions politiques d'un point de vue philosophique. Si on reprend les vieilles catégorisations, notamment celle d'Aristote, nous ne vivons pas dans des démocraties. C'est-à-dire que là, c'est un abus de langage de parler de nos institutions politiques comme des institutions démocratiques. Ce sont des institutions qui sont, en principe, plutôt des aristocraties, qui seraient des aristocraties électives, en fait. Donc, nous élisons les meilleurs, pour diriger nos sociétés. Donc, techniquement, on est dans des aristocraties électives. En pratique, on est plutôt, je pense qu'Aristote serait d'accord avec nous, on est plutôt dans la version corrompue de l'aristocratie, c'est-à-dire dans l'oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir exercé par quelques-uns,
qui sont certes élus, mais qui bizarrement représentent quand même toujours à peu près les mêmes caractéristiques socio-économiques, hein, qui appartiennent à une classe à peu près toujours la même, etc. Bon. Donc là, il y a un énorme travail à faire sur le plan politique pour aller dans le sens d'une démocratisation. Beaucoup d'humains aujourd'hui en Occident sont embarqués dans cette critique-là, c'est très intéressant. Malheureusement, à mon avis, ils ne l'amènent pas assez loin. Je pense qu'ils confèrent à nos institutions politiques un pouvoir qu'elles n'ont pas, ou en tout cas, elles n'en ont pas autant qu'ils le croient. Parce que ces institutions politiques, elles sont elles-mêmes, me semble-t-il, soumises, en fait, aujourd'hui, à des macrosystèmes économiques et techniques qui imposent leur logique, hein, qui imposent leur domination, si on peut dire, y compris aux plus puissants d'entre nous, en fait, hein. Alors ces deux logiques, bah, c'est des logiques auxquelles vous et moi on s'intéresse en particulier. Moi, c'est la logique de la rentabilité, hein, qui est la grande logique qui domine toute la dynamique de nos sociétés. Existera ce qui sera rentable, n'existera pas ce qui ne sera pas rentable. Que ça implique, hein. Et les politiques, quel que soit leur pouvoir, sont soumis aussi à cette domination. Et la deuxième grande logique est plutôt la logique de la technique, la logique de l'efficacité, en fait, hein. On va développer ce qui est efficace, on va laisser tomber ce qui ne semble pas l'être, parce que la question de l'efficacité est évidemment assez complexe. Mais enfin, en gros, on a ces deux impératifs qui sont archi dominants. Et qui finalement sont au cœur de ces très vastes systèmes qui aujourd'hui sont d'ampleur quasi mondiale et qui nous imposent en fait leurs contraintes et leurs exigences en quelque sorte. On en dépend très très concrètement. Donc si on veut décider vraiment de comment on veut vivre, il va falloir réussir à se débrancher de ces macrosystèmes et probablement à les démanteler. Qu'est-ce que je veux dire par là pour pas être trop abstrait? Quand on parle de la technique, en général, on va se focaliser sur un objet technique. Par exemple, la voiture, hein. Donc, on va prendre la voiture. Mais pour que la voiture fonctionne, pour qu'elle roule, en fait, elle a besoin justement de tout un système, d'un très vaste système technique, hein, qui va permettre qu'effectivement je vais pouvoir utiliser ma voiture. Et donc c'est ce système technicien, là, qui est essentiel à l'automobile pour qu'elle soit utilisable, qui va imposer finalement ses contraintes, hein. Alors pour qu'une voiture fonctionne, bah, voilà, il faut actuellement, il nous faut encore, par exemple, du carburant. Alors, bah, c'est toute une industrie extractive qui vient avec ça. C'est une armée qu'on va devoir être capable de mobiliser pour aller sécuriser l'accès à des puits de pétrole, etc. Donc, c'est tout un vaste système qui nous impose, en fait, littéralement, ces contraintes. Un autre exemple que j'aime bien, que j'évoque toujours, qui est formulé par un économiste du développement qui s'appelle Wolfgang Sachs, pardon. Qui prend un objet technique encore plus vulgaire que la voiture, il part du mixeur électrique. Examinons par exemple un mixeur électrique. Il extrait les jus de fruits en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Quelle merveille! À première vue, il suffit de jeter un coup. À première vue, quelle merveille! Mais il suffit de jeter un coup d'œil sur la prise et sur le fil pour s'apercevoir qu'on est en face du terminal domestique d'un système national et en fait mondial. L'électricité arrive par un réseau de lignes alimentées par les centrales qui dépendent à leur tour de barrages, de plateformes offshore ou de derricks installés dans de lointains déserts. L'ensemble de la chaîne ne garantit un approvisionnement adéquat et rapide que si chacun des maillons est encadré par des bataillons d'ingénieurs, de gestionnaires et d'experts financiers, eux-mêmes reliés aux administrations et à des secteurs entiers de l'industrie, quand ce n'est pas à l'armée. Le mixeur électrique, comme l'automobile, l'ordinateur ou le téléviseur, dépend entièrement de l'existence de vastes systèmes d'organisation et de production soudés les uns aux autres. En mettant le mixeur en marche, on n'utilise pas simplement un outil, on se branche sur tout un réseau de systèmes interdépendants. Voilà, c'est ça que je désigne quand je parle de macro-systèmes techniques et économiques dont nos vies dépendent très étroitement aujourd'hui et donc qui nous imposent en quelque sorte leurs exigences si on veut utiliser ces fameuses machines. Alors, la bonne nouvelle, alors cette fois j'ai quand même mis un point d'interrogation parce que justement on en dépend très étroitement, donc si ça s'écroule, on s'écroule avec, hein, et au Québec, alors j'étais pas là, ça fait 20 ans que je suis là, mais j'étais pas là au moment de la grande crise du verglas.
Mais la grande crise du verglas a permis à beaucoup de Québécoises et de Québécois de réaliser ce qu'il en coûte de dépendre d'un macro-système technique pour vivre, en fait, hein. Alors, je crois qu'il n'y a pas eu trop de, il n'y a pas eu trop de morts, il me semble, mais je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de peur, en fait. Mais c'est parce que, précisément, si ces systèmes tombent, bah, c'est notre vie qui devient extrêmement, enfin, qui devient très vulnérable, en fait. Alors, mais je dirais que la relativement bonne nouvelle, du point de vue qui m'intéresse, c'est que ces macrosystèmes sont fragiles et vont pas pouvoir être soutenus encore très longtemps, me semble-t-il. On en a des indicateurs de plus en plus. Ce qui s'est passé, par exemple, en Colombie-Britannique à l'automne, les énormes inondations, là, on a vu la Colombie-Britannique couper du monde. Bon, c'est une chose, on a réparé tout ça, mais quand on aura ça à beaucoup plus grande échelle, alors c'est ce que nous prédisent quand même aujourd'hui, notamment les chercheurs qui travaillent sur le dérèglement climatique. Je ne pense pas que nos États seront capables justement de réparer, remettre en place ces macrosystèmes rapidement, et que finalement, peu à peu, il va falloir en fait vivre sans. Ce qui, d'un point de vue écologique et d'un point de vue politique, me paraît être plutôt une bonne nouvelle. Bon. Mais avec quand même un point d'interrogation et beaucoup de prudence, parce qu'évidemment, ça peut déboucher aussi sur des choses terribles. On est d'accord. Alors voilà. Voilà la troisième proposition. Donc, produire moins, partager plus, décider ensemble. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Comment on met ça en œuvre? Ce que ça implique, il me semble inévitablement, c'est un processus de relocalisation de toutes les activités qui sont nécessaires à assurer notre subsistance. Hein. D'abord, ça suppose de mettre de l'avant, évidemment, le parti pris de la subsistance. Ce qu'il faut, c'est subsister, mais pas au sens de juste avoir de quoi bouffer. La subsistance, c'est bien plus large que ça, hein. C'est satisfaire à tous nos besoins fondamentaux. Et c'est ça qu'il s'agit de mettre de l'avant, contre un système qui ne vise pas du tout la subsistance. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais il faut l'expliciter peut-être maintenant. Ce système de croissance dont on fait la critique, c'est un système qui est étroitement lié au capitalisme, et donc en fait qui n'a pas tellement d'autres finalités que l'accumulation de capital. Hein. Il n'est pas orienté vers la satisfaction des besoins, il est orienté vers le souci d'accumuler toujours plus de capital. Hein. C'est l'idée de rentabilité que j'évoquais tout à l'heure. Là, il s'agit de rompre avec ça et de se dire, mais non, ce qui compte, c'est la subsistance. Bon. Et dans la perspective qui m'intéresse, notamment par rapport au souci de décider ensemble, si on veut avoir le contrôle de ça, il va falloir le relocaliser de façon assez radicale, donc dans un geste de refus de la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors pourquoi je rajoute ouvert entre parenthèses après relocalisation? Pour prendre les distances avec certains réflexes aujourd'hui qui prennent malheureusement de plus en plus de place dans le débat politique, qui sont des réflexes protectionnistes, je dirais dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, qui sont des réflexes xénophobes, racistes, donc alors, qui incitent de plus en plus de nos contemporains, finalement, devant justement les périls la situation, à vouloir fermer nos frontières, à vouloir essayer de protéger ce qu'il reste de nos sociétés contre un éventuel péril invasif, etc. Bon, donc non, ce qu'il s'agit de faire, c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait actuellement. Aujourd'hui, on laisse les plus riches d'entre nous et le capital et les marchandises se déplacer partout sur la planète en toute liberté. Hein. Donc, par contre, les humains qui auraient besoin de se déplacer aujourd'hui pour tout simplement améliorer leur sort, eux n'ont pas cette possibilité. Donc, il s'agit d'inverser, hein, et de permettre aux humains qui auraient vraiment besoin de bouger, et par contre, de reprendre le contrôle de nos moyens d'existence, donc au lieu de lancer du capital dans la circulation comme on le fait actuellement. Les humains et les idées. Hein, le capitalisme aussi tente finalement de fructifier en s'appropriant les idées, donc en empêchant les idées de circuler hein, de plus en plus, à l'encontre de toute la tradition d'ailleurs de la recherche scientifique occidentale. Donc là aussi, il s'agit de réouvrir ça, de permettre aux idées de circuler. On va en avoir besoin beaucoup des idées. Donc ça va pouvoir bouger. Deuxième proposition, sur le plan technique, alors ça c'est là où je m'aventure sur votre terrain. Donc parier sur aussi une espèce de révolution sur le plan technique. Donc s'intéresser de plus en plus à ce qu'on appelle donc les low-tech,
ou des vastes technologies pour le traduire, qui présenterait donc trois grandes caractéristiques, trois critères de la low-tech, de la bonne low-tech d'un point de vue décroissant. Il faudrait que ces techniques soient soutenables sur le plan écologique, si on les étend à grande échelle, qu'elles soient accessibles à tous, qu'elles ne créent pas ni de maîtres ni d'esclaves, en fait, hein, pas de disparités, qu'elles ne viennent pas aggraver notamment certaines inégalités déjà existantes, donc accessibles au plus grand nombre, sans aggraver la question de la soutenabilité, parce qu'une des façons évidemment de faire, c'est bon, bah finalement, on va créer des bagnoles pour tout le monde, hein, donc il n'y aura pas d'injustice, tout le monde pourra avoir sa bagnole. Mais si tout le monde a une bagnole, évidemment, la question de la soutenabilité, là, se pose à fortiori. Donc il faut tenir l'accessibilité et la soutenabilité. Et puis le troisième critère, c'est la contrôlabilité. En fait, est-ce que les usagers, les utilisateurs de cette technique, en ont le contrôle ou pas? Ou est-ce que c'est une technique qui les dépasse complètement, qui leur impose toutes sortes de contraintes, comme j'essayais de le faire sentir avec l'exemple du mixeur électrique tout à l'heure. Donc en fait, une espèce de refus, de défiance en tout cas, de recul critique par rapport à nos technosciences, c'est-à-dire à nos techniques qui se sont développées en s'appuyant sur la science moderne. C'est ce mariage-là qui est au cœur de cette critique. Une critique qui, évidemment, vise aussi des infrastructures qui viennent avec ces techniques-là. En général, nos technosciences s'appuient sur de très vastes infrastructures qui posent des problèmes en termes de contrôlabilité et de soutenabilité. Pour prendre là aussi, pour ne pas rester trop abstrait, évidemment, si on prend ces trois critères, soutenabilité, accessibilité, contrôlabilité, je dirais aucune de nos grandes techniques ne passe le test, en fait, hein. Aucune des techniques sur lesquelles aujourd'hui repose notre quotidien ne passe le test. Un collègue français, un physicien français, José Alloy, parle de technologie zombie. Hein. Il dit la plupart de nos technologies sont des technologies zombies. Elles sont mortes vivantes, en fait. Elles n'ont pas d'avenir. Elles existent. Mais en fait, elles sont déjà mortes. On sait que, notamment pour des raisons de soutenabilité, on ne pourra pas maintenir les choses, on ne pourra pas les continuer à les utiliser à grande échelle et les diffuser à grande échelle. Pour essayer de prendre un exemple concret, qu'est-ce que serait qu'une solution low-tech pour communiquer vous et moi, comme l'évoquait, je pense, Jérôme tout à l'heure, une solution low-tech toute simple, ce serait un espace fermé et à peu près chauffé dans lequel je pourrais utiliser ma voix pour communiquer avec vous, uniquement ma voix. Voilà, on aurait une solution relativement low-tech, surtout si on était dans une salle qui était éclairée naturellement par le soleil qui brille, sans avoir besoin d'ampoule électrique. Tout le système qui permet à cette ampoule électrique de briller, etc. Bon, voilà, pour prendre un exemple. Un peu simple, mais qui nous ramène un peu à l'essentiel, ou pour venir jusqu'ici, là je suis dans mon bureau HEC, le moyen de déplacement qu'on me propose, c'est plutôt un moyen motorisé, hein, soit une automobile, soit un bus, soit un métro. Le moyen low-tech par excellence, c'est la marche, hein, c'est la marche à pied qui. Dans la mesure où j'habite pas trop trop loin, c'est une solution qui est tout à fait cohérente avec cette triple exigence de soutenabilité, d'accessibilité et de contrôlabilité, hein, pour donc satisfait bien ces trois critères. Alors voilà pour la deuxième dimension. Troisième dimension qui est la dimension un peu centrale de la proposition. Tout ça devrait se faire donc dans le cadre de ce qu'on appelle des communs et de municipalité démocratique. Donc je ferai pour moi de la municipalité démocratique l'institution politique centrale d'un monde post-croissance. Donc dans un double refus, une double critique vis-à-vis d'abord de l'entreprise privée capitaliste, hein, sortir du modèle de l'entreprise privée capitaliste ou la marginaliser le plus possible, mais aussi autant que possible sortir du modèle de l'État-nation tel qu'on le connaît, qui est étroitement lié à cette croissance dont je parle depuis le début. Alors je vais revenir sur les communs, qu'est-ce que j'entends par commun, mais je termine avec la quatrième dimension de ma proposition, de ma réponse à comment on fait ça. Ces communs et ces municipalités, notamment, auraient pour rôle essentiel de discuter et d'établir ce qu'on pourrait appeler des normes de suffisance, en fait. Qu'on met de l'avant, c'est l'idée de subsistance et de suffisance. Donc, ce qu'on veut, c'est la subsistance, et on veut une subsistance
voilà, qui soit suffisant pour tous et toutes. Hein. Et donc, il s'agirait de discuter au sein de ces collectifs de ce qu'il nous faut pour vivre décemment, en fait. Hein. Alors, si on prend, si on essaie de mettre en œuvre un peu ce type de démarche, par exemple sur la question des transports que je viens d'évoquer, plutôt que de se demander comment on pourrait, je sais pas, électrifier nos bagnoles, etc., se poser la question, est-ce que nous avons besoin de nous déplacer? Pourquoi avons-nous besoin de nous déplacer? Est-ce que nous pourrions avoir une vie dans laquelle nous ne serions pas obligés de nous déplacer constamment pour vivre, hein, ce qui serait un raisonnement intéressant dans cette perspective. Non, l'obligation de déplacement, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer? Ben oui, on pourrait essayer d'imaginer ce que font les urbanistes aujourd'hui, par exemple, de développer ce qu'on appelle des milieux de vie complets, donc des milieux de vie dans lesquels, finalement, on n'a pas besoin de se déplacer autrement qu'à pied et que on peut éventuellement sortir si on en éprouve le désir, mais ça n'est pas une nécessité. Voilà le genre de raisonnement, de discussion qu'on pourrait avoir dans cette perspective. Une autre discussion qui serait extrêmement intéressante à avoir dans le cadre de ces collectifs, c'est jusqu'où faut-il faire durer la vie humaine, hein? Est-ce que c'est une bonne chose que de faire durer des vies à tout prix le plus longtemps possible? Est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement des limites à accepter par rapport à ce que c'est que une vie humaine? Bon, c'est enfin, le genre de discussion. Alors là, évidemment, je vais sur un terrain dangereux, glissant, mais je pense que ça fait partie des questions qu'on doit soulever dans cette perspective. Alors, donc au cœur de ce dispositif, il y a les communs qu'on peut présenter. C'est une des trouvailles des auteurs là, de ce petit bouquin là, que je viens de lire, le commun comme mode de production. Donc, il s'agit d'envisager le commun comme un mode de production à l'égal de ce que les marxistes ont appelé le salariat, qui est un mode de production, qui lui-même succédait à ce qu'ils ont appelé le servage, qui lui-même succédait à l'esclavage. Donc le commun serait une espèce de quatrième moment historique en termes de mode de production. Donc on va essayer de lui donner toute son ampleur. Mais qu'est-ce que c'est qu'un commun? Là, je m'appuie sur une femme à qui on doit une très fière chandelle, à mon avis, parce que c'est elle qui a, contre ses collègues économistes, exhumé, en fait, et mis de l'avant une forme de vie sociale et économique qu'on appelle les communs et qui avait été complètement marginalisée, oubliée, critiquée par la pensée économique dominante. Donc c'est Elinor Ostrom qui a été un personnage central, qui pas du tout. Moi, quoi qu'à la fin de sa vie, elle était de plus en plus révolutionnaire. Hein. Je pense qu'elle était de plus en plus énervée par notre civilisation. Mais au départ, c'est une économiste. Elle a d'ailleurs eu le pseudo prix Nobel d'économie qu'on n'attribue pas à des révolutionnaires d'habitude. Donc, mais ses idées sont extrêmement intéressantes. Alors, à partir de ces idées et d'autres, j'ai essayé d'élaborer une définition de ce que c'est qu'un commun pour moi. Un commun, c'est un ensemble d'humains, un collectif, donc toujours un collectif d'humains, qui se constitue pour satisfaire par lui-même et pour lui-même, autant que possible, une ou plusieurs aspirations. Une ou plusieurs aspirations. Donc le souci, là, c'est finalement de se prendre en charge, hein, collectivement, mais dans une des dimensions de notre subsistance. Et ce qu'on veut éviter, c'est l'hétéronomie, c'est-à-dire de se retrouver dans un de ces méga, ces macro-systèmes qui nous imposent ces normes, ces logiques, hein, et sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Deuxième caractéristique du commun, le partage des moyens nécessaires à la satisfaction de cette aspiration ou de ces aspirations, hein, qui nous réunissent collectivement. Et donc là aussi, on se dissocie finalement de deux formes qui sont dominantes dans nos sociétés. La privatisation, hein, on s'approprie à titre individuel des moyens, des ressources, hein, propriété privée, ou l'étatisation, donc on revendique collectivement à l'échelle d'un État-nation certains moyens, notamment un territoire. Donc il y a un refus de ces deux rapports au monde, hein, pour faire valoir la communalisation, qui est plutôt un rapport de responsabilité. Je suis co-responsable de ces moyens qui me permettent de vivre. Troisième, je le pose de manière abstraite, là aussi et théorique, puis je donnerai des exemples après. Troisième principe, plus classique, ce collectif d'êtres humains va fonctionner de manière aussi démocratique que possible. Donc on ne va pas donner un pouvoir de décision plus important à certains
dans ce collectif, on va respecter le principe de base, un membre, une voix, donc dans un refus de la hiérarchie, donc qui reste quand même une forme sociale dominante dans nos sociétés. Et puis, les rapports au sein de ce collectif vont être autant que possible des rapports d'entraide et de réciprocité, de coopération, donc où on va essayer donc de se dissocier de ce grand rapport social qui est au cœur de toutes nos organisations productives, qui est le salariat, donc un rapport d'exploitation, comme je le disais tout à l'heure, et un rapport de subordination, mais aussi se dissocier des rapports de concurrence dans lesquels on est pris le plus souvent. Donc voilà pour une définition théorique de la chose. À quoi ça ressemble concrètement? Où est-ce qu'on voit des communs? C'est extrêmement intéressant comme forme sociale, parce que aujourd'hui ça intéresse et ça rallie toutes sortes de gens, en fait. Il y a de plus en plus de gens dans des milieux assez différents, y compris des gens pas forcément d'accord sur le plan politique, qui voient dans ces communs une solution à pas mal des problèmes que nos sociétés rencontrent. Moi, j'ai mis, bon, là c'est Silvia Federici, c'est une féministe marxiste très, très importante, dont je suis assez proche, et qui est assez proche des idées de la décroissance, donc il y a tout un ouvrage autour de cette idée-là. Ce que je dirais, c'est que si on prend ce qu'on appelle en sociologie mon idéal type du commun, on n'en trouvera pas, en fait. Il n'y a pas ou peu de commun pur. Ne serait-ce que parce que tout est propriété aujourd'hui, soit c'est propriété privée, soit c'est propriété étatique. Donc, pratiquement rien ne rentre absolument dans la catégorie des communs tels que je l'ai défini. Mais par contre, on voit toutes sortes de formes de communalisation, c'est-à-dire d'efforts pour aller vers la constitution de communs. Donc, pour moi, ce terme est plus adéquat. Il pointe le fait qu'on est dans une dynamique, une démarche qui sera probablement jamais finie, qui rentrera toujours en conflit avec des tentations inverse, de privatisation, de fermeture. Et on a donc, on observe par contre toutes sortes de dispositifs très nombreux de partage de moyens d'existence, des moyens qui peuvent être tangibles ou intangibles, et ces dispositifs visent à satisfaire de manière juste autonome, donc on cherche à en avoir le contrôle, donc de satisfaire de manière autonome un ou des besoins. Des exemples uniquement montréalais que j'ai pris là. Bon, on peut partager évidemment des habitats, des lieux de vie, des espaces de production. Milton Park à Montréal, la plus grosse coopérative d'habitation au Canada, qui a placé son patrimoine sous un régime juridique extrêmement intéressant, qui a sorti littéralement du marché plusieurs milliers de logements dans le Carré McGill, donc un très beau cas en matière de logement. Moins connu, le champ des possibles, un espace public là, qui a été réapproprié par des personnes de voisinage et qui co-gère cet espace. Bon, mais tout ce qui est jardin, cuisine, atelier collectif, on est dans une logique de communalisation. On peut aussi partager des outils, des machines, des objets usuels. Alors, on a un beau cas montréalais qui est la Remise, une bibliothèque d'outils extrêmement intéressante, qui incarne assez bien cette logique des communs. Solon qui est une espèce de pépinière de communs à Montréal, là, qui propose plein de choses dans cette direction, développe notamment un modèle intéressant qui s'appelle Celsius, où il s'agirait d'autoproduire en fait une partie de son énergie par géothermie, en fait, par partage d'un dispositif de chauffage par géothermie. Mais plus modestement, les bibliothèques de rue sont aussi une façon d'aller dans ce sens-là. Des compétences et des savoirs, donc ça c'est tout l'aspect intangible aussi de ces moyens d'existence dont on a besoin. Donc la Remise, c'est pas seulement un partage d'outils, c'est aussi un partage de savoirs avec des ateliers où certains aident les autres à faire ce qu'ils sont venus faire. Le commun montréalais le plus connu actuellement, c'est le bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles, qui offre, entre autres choses, des ateliers, là aussi, avec partage de savoir, partage d'outils, partage de savoir. L'UPOP Montréal, l'Université populaire de Montréal, donc un collectif très intéressant, donc, auquel on est tous et toutes d'ailleurs invités. Donc n'importe qui peut venir présenter un cours à une assistante de manière gratuite, donc un très beau, très belle expérimentation, mais tout ce qui est cercle de lecture, cercle de tricot, enfin, tout ça, voilà, on est dans la même logique. Et puis on peut aussi on peut partager des moyens ou des espaces d'échange.
Donc ça, c'est peut-être un peu plus déconcertant, mais pour moi, les monnaies complémentaires, les monnaies locales, c'est des communs aussi, hein. C'est des collectifs qui se mettent ensemble, qui disent, bon, nous, on voudrait pouvoir s'échanger des choses, hein, des services ou des biens, pas forcément en passant par la monnaie officielle, par nos propres moyens. Et donc, on va mettre en place notre système, on va s'inventer une monnaie, on va s'inventer un dispositif. Ça donne quelque chose comme ILO Montréal ou BEX, qui est une banque d'échange de services dans le quartier d'Outremont et du Mylène. Les accorderies qui se développent, qui marchent très très bien. Le Détour, qui est une épicerie au B7 extrêmement intéressante. Le Détour, c'est une épicerie justement communautaire où on a un collectif qui crée sa propre épicerie et qui fait tourner lui-même sa propre épicerie. C'est-à-dire que les usagers de l'épicerie sont aussi ceux qui font le travail pour que l'épicerie fonctionne. Voilà, on est bien dans cette logique d'autoproduction que j'évoquais tout à l'heure. On peut aller plus loin. Un des exemples les plus frappants, c'est, alors lui, il est hors Montréal, mais c'est dans un quartier de Chicago. Le besoin éprouvé par une partie de la population, c'était la sécurité publique. Hein. On a besoin de sécurité. C'est des groupes de femmes qui se sont constituées pour mettre en place toutes sortes de stratégies pour essayer de sécuriser l'espace public, c'est-à-dire en fait pour écarter à la fois les gangs de rue et la police en fait, et donc éviter les échanges violents entre ces deux catégories. Bon, des choses très très intéressantes. On est bien dans une logique de communalisation de l'espace public. Hein. On en prend le contrôle et on essaie de répondre collectivement à ce besoin de sécurité. Alors voilà, ça c'était quelques exemples. Pour essayer de préciser un peu mieux ce que c'est qu'un commun, on peut le comparer à deux formes sociales qui nous sont plus peut-être plus familière. La première, c'est ce qu'on appelle en sociologie la communauté intentionnelle. Ce qu'on appelle, ça ressemble à ce qu'on appellerait au Québec une commune, quoi. Bon, les fameuses communes hippies des années 70, mais il en existe aussi aujourd'hui, ou une forme qui est assez à la mode actuellement, tout ce qui est éco-hameau, par exemple. Donc, un collectif qui se rassemble pour vivre dans un même endroit, et puis finalement essayer de satisfaire par lui-même et pour lui-même la plupart de ses besoins. Bon. Alors, est-ce que ce type de collectif, ce que j'appellerais donc d'un point de vue plus sociologique une communauté intentionnelle, est-ce que c'est un commun? Oui, c'est un commun. En fait, c'est le commun intégral par excellence, en fait, hein, où là, finalement, tous les besoins du collectif sont pris en charge par le collectif, pour le collectif. En tout cas, c'est ce qu'il vise. Et tous les moyens sont partagés. Bon. Donc, c'est le commun pur, d'une certaine façon. Mais par contre, quand on parie sur le commun comme mode de production, quand on parie sur une transformation de notre monde qui reposerait sur les communs, c'est pas ça que j'ai en vue, parce que pour moi, le problème de la communauté intentionnelle, c'est que c'est une forme très radicale. C'est ce que j'appelle un commun pour virtuose. C'est extrêmement exigeant, hein, surtout pour les individus que nous sommes. Tout ce que ça représente comme difficulté pour vivre ensemble, c'est beaucoup trop contraignant pour nous. Et donc, parier sur cette forme-là, me paraît pour le coup très, très, très utopique. C'est des très bons laboratoires pour aller s'essayer, pour tenter des choses. Je ne crois pas qu'on peut penser un Québec qui reposerait que sur un ensemble de communautés intentionnelles de ce genre-là. Ça ressemblerait certainement beaucoup plus à une deuxième forme qui nous est familière, qui est la coopérative. Mais alors, en quoi il y a convergence avec la coopérative et en quoi il y a divergence? La coopérative, si vous reprenez les quatre traits par lesquels j'ai défini le commun tout à l'heure, finalement elle est assez proche du commun. Hein. On va retrouver l'idée de communalisation, on va mettre ensemble des moyens d'existence, hein, donc on partage un capital, on va gérer de façon démocratique, et puis, comme son nom l'indique, au sein même de la coopérative, entre coopérateurs, on va coopérer. Il n'y aura pas de rapport de domination. Par contre, la coopérative repose assez peu sur une logique d'autoproduction. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans cette recherche par laquelle on va s'efforcer de produire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Hein. La plupart des coopératives, pas toutes, mais la plupart, soit finalement se constituent pour produire une marchandise et la vendre sur le marché, soit se constituent pour acheter une marchandise, hein, et pouvoir la consommer. En fait, la coopérative, dans notre monde, c'est plutôt un moyen d'affronter la logique de la marchandise et donc d'affronter un monde qui est dominé aujourd'hui par l'entreprise privée. Donc, on se met ensemble pour pouvoir quand même exister dans ce monde-là. Le gros problème, c'est que
la coopérative se retrouve en fait en compétition, en concurrence avec l'entreprise standard, avec l'entreprise capitaliste, et que c'est un rapport de force extrêmement inégal en fait. L'entreprise capitaliste a les moyens de lever beaucoup plus de capital, peut prendre des décisions beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus puissant. Donc, pour la coopérative, en fait, il y a deux alternatives. Si elle veut continuer à exister, elle va devoir ressembler de plus en plus à une entreprise privée et abandonner de plus en plus ses principes coopératifs qu'ont fait Desjardins ou toutes les grandes coopératives de nos sociétés. Ou alors, elle va devoir se contenter de toutes petites niches dans lesquelles l'entreprise privée n'a pas moyen de venir faire fructifier du capital, en fait, hein. Donc, finalement, rester très, très, très marginal. Donc, la coopérative ne va pas assez loin. Le commun, c'est une façon d'aller plus loin que ça, d'essayer de conquérir davantage d'autonomie par rapport au système dominant. Voilà. Le modèle québécois, peut-être, qui serait le plus proche du commun sur le plan juridique, ce serait la coopérative de solidarité, qui est un modèle assez intéressant parce qu'on associe sur le conseil d'administration d'une coopérative de solidarité des producteurs, des utilisateurs et des membres de la communauté. Donc justement, on essaye de mettre ensemble tous les gens concernés par l'activité de ce collectif, hein, et on leur permet donc de décider ensemble du fonctionnement de ce collectif. Je vois qu'il est 15h04, il faut que je pense à conclure, j'imagine. Donc, je vais conclure comment? Ouais, je vais conclure comme ça. Bon, d'abord, donc, je suis toujours sur le comment, hein. Donc, c'est cette communalisation qui serait la direction à prendre. Et comment est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui, de là où on est, hein, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, comment est-ce qu'on se met en marche vers ce monde qui serait orienté sur une communalisation généralisée. Ce qu'on met de l'avant en général dans la décroissance, donc c'est plutôt une stratégie de masse critique. Autrement dit, on ne parie pas sur une prise de pouvoir préalable, puis ensuite une transformation de la société par le haut, hein, qui serait un peu le modèle classique, le modèle soit révolutionnaire marxiste, on fait la révolution, on prend le pouvoir et on impose une transformation, soit le modèle social-démocrate, on crée un parti, on prend le pouvoir et on transforme la société, un peu ce que tente de faire Québec solidaire ici. Là, l'idée, c'est de se mettre en marche tout de suite en pariant sur le fait que, à force de développer des expérimentations, des tentatives, même à petite échelle, on puisse arriver jusqu'à un seuil à partir de quel ça va avoir des effets sur la dynamique de nos sociétés. Donc, on vise, on parie sur l'effet de seuil. Un peu comme, c'est toujours l'exemple que j'utilise, on peut dire que à Montréal, la circulation a commencé à changer. On a passé un seuil à partir duquel les vélos sont suffisamment présents pour qu'on ne puisse plus envisager la circulation comme on le faisait avant. Et pourtant, on est très loin d'avoir atteint la moitié des Montréalais, Montréalaises cyclistes. On est très loin de ça, je ne sais pas combien on est, mais on doit être peut-être à 20% l'été, enfin, au maximum. Et pourtant, ça change. Donc, il y a bien quelque chose qui a commencé à bouger, hein, et qui force un changement. Et cet effet de seuil, on essaie de le viser à partir de trois types d'actions. Essayer de construire des communs partout, dans tous les contextes. Donc, bâtir des alternatives concrètes sous forme de communs telles que je les ai présentées. Militer politiquement là, dans l'espace politique classique, sous diverses formes, hein, dans des partis, dans des mouvements sociaux, pour aller vers un commun monde, donc pour arracher du soutien à la prolifération des communs, faire en sorte qu'il y ait moins de soutien à l'entreprise privée, plus de soutien à des communs, pour promouvoir par exemple une mesure politique essentielle qui est un revenu de base. Pour commencer à développer des communs, pour expérimenter des choses, ben, il faut du temps, il faut un peu d'autonomie. Donc, avoir un revenu de base, ça peut peut-être nous libérer un peu pour justement pouvoir s'investir dans des alternatives concrètes. Ou une réduction du temps de travail, aussi une mesure politique réformiste qui serait très utile pour développer des communs, ben, réduction généralisée du temps de travail. Voilà pour quelques pistes. Et puis, il faut continuer à réfléchir, en fait. Et là, ben, on est à l'université, donc c'est en partie notre boulot. Ce boulot ne nous revient pas qu'à nous, mais on est payé pour ça, donc je pense que c'est à nous de le faire. Donc, continuer à critiquer ce monde,
à montrer ce qui ne tient pas dans ce monde, ce qui ne va pas, et essayer d'imaginer ce que pourrait être une autre façon de vivre ensemble, ce qui est extrêmement difficile en fait, hein. On a beaucoup de mal à imaginer quelque chose qui soit différent de ce qu'on connaît et en même temps désirable. Bon. Ah voilà, pour ça, ça je vais passer là-dessus, je reviendrai là-dessus, j'ai évoqué rapidement. Je termine pour conclure tout à fait. Assez classiquement, donc évidemment, après avoir entendu ça, bon, le réflexe, ça peut être de dire, bon, c'est complètement utopiste comme affaire. Bon, il faut renverser l'accusation aujourd'hui, et c'est de plus en plus évident que ce qui est vraiment utopique et dangereusement utopique, c'est de continuer à croire que une croissance infinie dans un monde fini est possible. Donc ça devrait, c'est aux promoteurs de la croissance aujourd'hui de faire la démonstration de la possibilité, et clairement, pour l'instant, elle n'est pas faite. On n'a jamais été capable de générer cette croissance verte dont je parlais tout à l'heure. Donc relancer la croissance, c'est relancer la destruction. Ce qui fait que si on continue dans cette direction, la décroissance, en fait, bon, de toute façon, notre horizon, en fait, hein, soit elle va être choisie, c'est ce que nous proposons, soit elle va être subie, hein, sous la forme d'une récession ou d'une dépression économique, ou toutes sortes de chaos plus ou moins violents. Je dirais que pour se réconforter un peu, il faut souligner que l'idée de décroissance a cessé d'être marginale, en fait, aujourd'hui, même si elle reste minoritaire. Ça va être intéressant de lire le rapport du groupe 3 du GIEC cette année, là, qui est annoncé, je crois, en mars. Une partie de ce rapport a fuité l'été dernier, et pour la première fois, donc, les chercheurs regroupés dans ce collectif-là mettent de l'avant des solutions qui vont du côté de la décroissance. C'est-à-dire, bon, il faut réduire la production, réduire la consommation. C'est la première fois que ça apparaissait. Là, c'est quand même, c'est pas négligeable. Ça va, il me semble. Sur le plan politique, on voit, en tout cas, aujourd'hui, des gens qui se présentent dans l'espace politique sous la bannière de la décroissance, donc ça c'est quand même assez nouveau, et qui font et qui ont un certain succès. Hein. Delphine Batho en France a loupé de peu la victoire à la primaire écologiste en septembre, donc son score était très proche de celui de Jadot, et elle s'est présentée vraiment avec des idées décroissantistes. On a eu plus modestement ici au Canada Noémie Bureau-Civil qui s'est présentée sous la bannière décroissante dans le coin de Rimouski comme indépendante pour la première fois, puis qui a fait un score tout à fait honorable aussi vu ses moyens. Donc voilà, c'est là, c'est plus l'idée dont on n'ose plus parler, c'est présent. Et puis je dirais que la communalisation, dont j'ai parlé un peu longuement, ce qu'on réalise quand on fait de l'histoire, quand on fait de l'ethnologie, c'est que finalement c'est une forme de vie sociale qui a été sans doute la plus courante dans l'histoire de l'humanité. Si on prend toute l'histoire de l'humanité, c'est comme ça que la plupart des humains ont vécu, en fait, hein, y compris d'ailleurs au cours des derniers siècles. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on sort d'un chapeau magique, c'est beaucoup plus quelque chose qu'on est en train de redécouvrir, qu'il s'agit de revaloriser, d'ajuster aussi à nos sociétés. Voilà, je m'arrête là parce que sinon on n'aura pas du tout le temps de discuter. À vous la parole.